Man hat mich eingeleitet hier über die Entwicklung und Wirtschaft zu sprechen. Das ist mein Bereich. Und ich werde über einige wichtige Punkte sprechen. Und ich werde auch eine Zusammenfassung von dem, was die Partnerschaft seit Jahren zwischen Deutschland und Togo gewesen ist. Alors avant de commencer, je voudrais que nous ayons un point commun ensemble. Vous voyez ceci, ce dessin, qui est, pour ceux qui connaissent le Togo, la cathédrale qui est pratiquement au centre de la ville, et la rue n'est plus aussi grande aujourd'hui. Also, ich möchte mit diesem Bild ein Bild von Lomé anfangen, da diese Kathedrale ist im Zentrum von Lomé und diese Straße ist heute nicht so breit. Sauf que c'est en 1910 et que ça s'appelait Hamburger Straße. Also diese Kathedrale wurde 1910 durch die Deutschen gebaut und diese Straße hieß damals Hamburger Straße. Alors j'ai cherché Lomé Straße à Hamburg, mais j'ai pas trouvé. Ich habe vergebens in Hamburg Lomé Straße gesucht, ich habe ihn gefunden. Alors vous voyez que nos relations et nos partenariats datent de très longtemps. Sauf qu'il ne faut pas continuer ce partenariat, mais celui que Haïti veut nous inspirer. Alors, je veux vous demander de m'accompagner dans plusieurs points, notamment la notion du développement, le développement asymétrique, la notion de la diaspora. Il faudra qu'on revienne sur cette notion, et il y a un problème aujourd'hui avec le Togo et le gouvernement. La notion de la technologie elle-même, s'il faut transférer ou diffuser la technologie, notamment le savoir-faire. Et bien sûr, les sujets techniques qui nous concernent, l'énergie renouvelable, l'agriculture, l'irrigation, le tourisme, qu'on ne peut plus faire sans associer la population et la culture. Et bien sûr, comment intégrer cette diaspora, qui est le thème fondamental de la journée. Alors, il y a quelques titres qui sont éclairés pour le développement asymétrique. Alors, ungleiche Entwicklung, refus de recenser la diaspora, also man. Die Behörden in Togo wollen nicht wissen, wie viele die Togo im Ausland sind. Man weiß, in Togo sind ungefähr 6 Millionen, aber im Ausland wollen sie nicht auszählen. Die Füße der Technologie, also die Technologie und der Know-how verbreiten und erneuerbare Energien, Landwirtschaft und Irrigation, Tourismus, wie kann man Tourismus, also Bevölkerung, Militarismus und Kultur zusammenbringen. Integrieren der Diaspora und Diaspora und Entwicklung zusammen in Togo. Wie kann man machen, damit Diaspora einen Teil auch in der Entwicklung in Togo hat? Alors, quand on veut faire du partenariat, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un rapport asymétrique, un rapport différent, et donc un rapport de force, qui est lié à des écarts de richesse. Wenn man von Entwicklung spricht, also man sieht sofort, dass es. Es ist eine Kräftefrage, also eine Ungleichheitsfrage. Et vous comprenez bien que si le Togo est ici, qu'il n'y a rien dans son tracabasse, et que l'Allemagne est ici ou la France ici, le rapport de ces trois va être difficile. Also wenn man sieht, Togo ist links, also in diesem Behörde ist leer, und die beiden sind voll, das ist Deutschland. Also das ist schon ungleich. Alors, sur le plan économique, je vous montre un graphe ici qui est très intéressant. Vous voyez en haut l'Allemagne et la France depuis 1951 et tous les 10 ans jusqu'à 2000. Et vous voyez le Togo ici. Cet écart-là, il faut se l'expliquer. Pourquoi, comment ça se fait, pourquoi ceux-là n'ont pas aidé celui-ci, est-ce que celui-ci a refusé, etc. Vous voyez cette graphique, le Togo est contre, depuis 1951 jusqu'à 2001. Deutschland war da oben. Dieser Abstand, man sieht, ist so groß. Man muss das erklären, warum das so passiert. Okay. Deuxième chose importante. Il faut absolument savoir que quand nous fonctionnons sur des bases économiques. Also, wir fonctionnieren über ökonomische Basis. Et voici en moyenne la richesse par habitant d'un individu en pouvoir d'achat. En Allemagne, en France et au Togo.
l'Allemagne ici, la France et le Togo, très bas. Also, das ist durchschnittlich die Kaufkraft eines Bürger in Deutschland, in Frankreich und Togo. Il est important de voir derrière le rapport de force ce que je vous disais tout à l'heure, qu'au niveau de l'aide dont on a parlé tout à l'heure, en l'an 2000, chaque Togolais recevait en gros et en moyenne 13 dollars par habitant, et qu'en 2009, on était à 75 dollars par habitant. On a donc augmenté notre dépendance vis-à-vis de l'aide. Wir sehen 2000, dass sich die Hilfe von Ausland für jeden Togolesen, also jeder Bürger, bekam 13 US-Dollar. 2000 und 2009, also diese Hilfe hat sich mehr als verdoppelt, 75.000 pro Bürger. Aber warum diese prozentuale Hilfe ist größer geworden? Sauf que quand vous demandez au Togolais moyen, il n'a pas vu la couleur de l'argent. Wenn Sie den durchschnittlichen Togolesen fragen nach diesem Geld, hat nie ein Cent davon gesehen. Alors le problème est de savoir pourquoi l'aide publique au développement depuis 2009, c'est les chiffres que j'ai, l'Allemagne est en rouge ici, et en fait a baissé pour la plupart des pays, sauf ceux qui sont au-dessus de la ligne qui est 0,7% fixée par les Nations Unies. Man kann sehen, warum diese Entwicklung Hilfe hat sich abgesehen. Ist niedriger geworden, aber nur für die Länder, die unter sind. 0,7%. Qui était fixé par les Nations Unies. Durch das, diese, das war durch die UN, also fixiert. Et les pays riches en moyenne ne sont qu'à 0,47. En moyenne. Ja, durchschnittlich, die reichen Länder sind bei 0,7%. Quand on analyse l'Allemagne, on s'aperçoit que l'Allemagne, en fait, s'est désengagée progressivement, peut-être même sans s'en rendre compte. Also Deutschland ist zurückgetreten von diesem Bereich von der Hilfe, vielleicht unbewusst. Alors cela étant dit, ça permet de voir aussi l'intérêt que porte à ce moment-là l'Allemagne, en Afrique en général, le Togo en particulier. Man kann sehen, was für Interesse die Deutschen für Afrika allgemein und besonders für Togo haben. Et ça pose un problème parce que si l'aide doit se comporter comme une carotte, vous comprenez bien que ce soit les minerais, les armes, le pétrole qui circulent en Afrique, peut être un problème dans la façon dont on veut gérer le partenariat que nous voulons ensemble. Also man sieht, wenn diese Hilfe, man kann sie wie eine Karotte bezeichnen. Also unten da, oben sind die Rohstoffe aus Afrika, das ist ein großes Problem. Et ce qui manque en fait, c'est que les deux partenaires, que ce soit les pays riches ou les pays pauvres, ou même les gouvernements, ont exclu la diaspora. Also die beiden Partner hier, Helfer und Geholfen, also Afrika, sie haben die Diaspora ausgenommen. Die Diaspora selbst nicht für sie. Aïté Crépy a montré tout à l'heure que pour le Togo, l'argent de la diaspora était beaucoup plus important que les investisseurs. Les investisseurs aussi ont exclu la diaspora. Also Herr Crépy hat soeben erklärt, dass für Togo die Gelder, die die Diaspora nach Togo schickt, die Verfügung schickt, ce qui fait que la nouvelle coopération que nous devons avoir doit être basée sur une approche gagnant-gagnant, comme il a dit. Also die neue Partnerschaft muss gleich sein und gucken, die beiden müssen was verdienen. Alors ça pose un problème, c'est qu'il faut savoir qui est la diaspora et combien elle est et qu'est-ce qu'elle peut offrir, bien sûr. Das Problem ist, man muss wissen, was ist la diaspora. Wie viel sind Sie in der Diaspora und was kann Sie machen? Alors, le gouvernement togolais a fait un recensement. Also, de la population. Ja, die togolische Regierung hat eine Bevölkerungsauszählung gemacht, die hat die Bevölkerung gezählt. Novembre 2010. November 2010. Et nous avons eu les résultats. Wir haben die Ergebnisse. Et vous voyez à droite les pourcentages par région. Lomé, 13%. Vous y sehen rechts, also die. Also die Zahlen pro Region. Das ist ein Handy. Also die Ziffer rechts, kann man sagen, pro Region. Et chacune des régions, vous voyez les pourcentages. Ce n'est pas un problème. Ce que vous ne voyez pas le pourcentage de la diaspora.
Das ist kein Problem, aber was Sie nicht sehen, das ist also die Ziffer von der Diaspora. Alors, comment un gouvernement peut compter sa population sans sa Diaspora? Wie kann eine Regierung seine Bevölkerung auszählen, ohne zu wissen, wie viel in der Diaspora leben? Toutes les organisations internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire international, Banque africaine de développement, etc., comptent la population togolaise entre 7,2 à 7,3 millions aujourd'hui. Alle internationalen Organisationen, FMI, also Weltbank und so weiter, afrikanische Bank, zählt Togo ungefähr als 7,2 Millionen oder 6,2 Millionen. Le problème, c'est que si on met 7,4 Millionen en moyenne, alors la diaspora togolaise aujourd'hui, d'après mes calculs, vaut zéro. Also das heißt, nach meinen rechnerischen Überlegungen, la diaspora ist null. L'ambassade d'Allemagne, de l'Espagne du Togo en Allemagne, a été plus malin, ils ont dit que c'était inconnu. Die togolese Botschaft in Berlin war ein bisschen schlauer, ils ont gesagt, ist unbekannt. Alors si on est des inconnus, nous sommes apparemment des fantômes, je ne vois pas comment on peut faire du partenariat avec des fantômes. Wenn wir unbekannt sind, wir sind Geister, wie kann man ein Partenariat entwickeln? Alors nous invitons le gouvernement allemand à clarifier cette situation pour que au moins au niveau du chiffre, du recensement, nous existions. Also wir bitten die deutsche Regierung, das zu klären, damit wir bei der Bevölkerungsauszählung wir auch in der Server zählen. Je voudrais profiter aussi pour montrer, parce que je suis en Autriche et on a presque 28% de l'extrême droite là-bas. Also ich wohne in Österreich und da haben wir also 20%, 25% von Rechtsextremen. Ich weiß, wovon ich spreche. Je suis en Autriche depuis 25 ans et c'est passé pratiquement de 12 à 28 pratiquement pour le mois d'avril d'après les sondages. Seit 25 Jahren wohne ich in Österreich und ist von 15 bis 28% gestiegen. Quand j'ai regardé pourquoi ça existe cette cause, je me suis aperçu pour le Togo, le nombre d'émigrés a diminué, ce qui fait qu'il y a moins d'immigration et le nombre de réfugiés a diminué. Also ich wollte das erklären, ich habe gefragt, warum diese Ursache, und ich habe bemerkt, also die Immigranten aus Togo, hier links, ist weniger geworden, genau. Und die Flüchtlinge sind auch weniger geworden. Ce qui veut dire que la politique qui est basée sur la notion de migration, de retourner en Afrique ou dans le Togo, n'est plus exacte. Politique des gouvernements, que ce soit l'Autriche, l'Allemagne ou la France. Also die Politik der Regierung, sowohl in Deutschland als auch in Togo, also die Bürger zu ermutigen, in Togo oder in Afrika zu kommen, ist nicht richtig. N'est pas exact, parce que le chiffre, voilà, le chiffre ne correspond plus à la réalité. Also die Ziffer sind anders als die Realität. Et beaucoup de gens qui sont ici ont pris la nationalité européenne. Viele, die hier leben, wurden eingebürgert. Et c'est eux qui envoient maintenant beaucoup d'argent au Togo. Das ist so viele davon, von denen, die Geld nach Togo schicken. Et le chiffre qu'a donné Anniki tout à l'heure, je vais vous donner le dernier qui vient de sortir, qui est de 2009, mais en fait, on va aller beaucoup plus loin, comme vous allez le voir. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à plus de, vous voyez les chiffres là-haut, en millions, hein, 307 millions de dollars qu'envoie la diaspora togolaise au Togo. 307 Millionen Dollar, das der Prof von Togo jährlich nach Togo schickt. Ce qui explique et justifie le fait qu'il soit largement au-dessus de l'aide au développement ou l'investissement étranger. Das erklärt, warum diese Hilfe der Diaspora-Bevölkerung höher als diese Hilfe der Togolais. Donc c'est la diaspora qui empêche le peuple togolais de tomber dans la pauvreté, l'extrême pauvreté. Wenn die Bevölkerung nicht verhungert, passiert dank des Diaspora, nicht dank der Regierung. Et la diaspora ne pose aucune conditionnalité. Und diaspora hat keine Konditionen. Alors que quand vous regardez l'investissement étranger direct ou l'aide au développement, la liste des conditionnalités dépasse la Bible tout entière.